les signes des taureaux. Il n'y a plus de mystère, hein, pas besoin de tirer au sort. Vous êtes le dernier signe pour vos guidances de ce mois d'août. On va regarder un petit peu pour vous. Merci à tous ceux qui m'ont rejoint sur ma chaîne, mes fidèles aussi, qui me suivent depuis très longtemps. Taureau, signe de terre, qu'est-ce qui va se passer? Dis-moi, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont vos énergies? Comment vous allez pouvoir vous en servir pour ce mois d'août? Bonnes vacances déjà, si vous êtes déjà en vacances. Hein. Profitez un max. Allez, c'est parti pour énergiser votre signe. Détendez-vous, laissez le son du bol venir à vous, ça pourra rééquilibrer vos chakras. Quoi qu'il en soit, si vous ressentez quelque chose après, ne prenez aucun médicament, ça ne servira à rien. C'est parti pour vous, les signes du taureau, ascendant et lunaire. Énergie principale pour ce mois d'août, celle qui va vraiment prédominer, blocage, expansion, on va voir ça ensemble. Prenez simplement ce qui résonne pour vous. Vous avez déjà de toute façon des prémices de ce que je peux vous annoncer par rapport déjà sur ce mois de juillet, de ces énergies d'août. Et regardez votre ascendant, très important, à partir de 35 ans, nous sommes plus vers notre ascendant que vers notre signe. Et votre signe lunaire, bien sûr, et vous pouvez compléter avec ces deux autres pour avoir vos énergies. Pour ce mois d'août, pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Ah, ce que vous entendez, c'est l'orage, on va peut-être un peu déranger. Alors il est question d'être dans cet apprentissage, la papesse, d'apprendre sur quoi? D'apprendre sur vous, d'apprendre sur les choses que vous pouvez mettre en place pour la rentrée, des études aussi, reprendre des études pour certains taureaux. Comment faire pour avancer dans sa vie? Le futur, ce qui va arriver vers vous? Trouver des solutions par rapport à des problèmes que vous pourriez rencontrer? Vous allez vraiment sur les prises de position, je pense, sur ce mois d'août. Alors l'empereur renversé, voilà, il va falloir faire quand même très attention de bien apprendre les choses avant de les mettre en place, de prendre des directions, d'apprendre des choses. Pour ceux qui veulent apprendre quelque chose de nouveau, c'est de bien gérer ce qu'ils veulent apprendre, ne pas apprendre des choses qui leur seraient inutiles ou n'y auraient pas de choses positives après un nouvel apprentissage. Ça peut être l'orientation au niveau d'un lycée aussi, pour si vous avez des enfants. Ces questions vraiment, qui est taureau hein, d'ailleurs, donc attention par rapport à l'orientation, par rapport aux études, prendre des bonnes pistes. Il y a des choses aussi, il va falloir être un peu plus regardant, poser les jalons pour bien avancer. Décidément, ça saute. Et nous avons le pape renversé. Donc oui, les décisions que vous allez prendre, il va falloir bien les mûrir. Il va bien falloir regarder sur quelle direction vous allez aller, les taureaux. Il est question de choses qui peuvent ne pas avancer facilement par rapport à des engagements, par rapport à des signatures. Ça peut être repoussé.
Il y a peut-être des choses que vous croyez que ça va pouvoir avancer maintenant, mais c'est question d'être repoussé. Peut-être qu'il va falloir revoir une orientation au niveau professionnel, un accord au niveau professionnel. Il n'arrivera pas de suite. Si au niveau relationnel, au niveau sentimental, ne pas converser, attention aux engagements, réfléchir aux engagements que vous allez prendre. Ne pas prendre des engagements à l'emporte-pièce. Si vous faites ça, vous risquez d'avoir de sacrées désillusions pour ce mois d'août. Et nous avons l'impératrice. L'impératrice est quand même quelqu'un de. La carte est assez forte, elle est en dessous de l'empereur. Alors le côté féminin devrait vous servir automatiquement, mais il y a aussi cette histoire de vous protéger. Voilà, de chercher quand même à vous protéger dans des décisions que vous pouvez prendre. Alors c'est pas un blocage, voilà, le taureau, c'est pas un blocage, mais il va vraiment falloir y réfléchir à deux fois. Bon, je vais rebattre. Je vais faire tourner. Je n'ai pas vu. Donc je vais en ressortir une pour les taureaux, ascendant taureau, signe numéro taureau. Alors je ne dis pas que vous n'allez pas trouver la solution, faites quand même attention. Et il y a justice qui est là. Voilà, vous allez la trouver cette solution. Il y a juste un peu de retard. Prenez pas de décision trop rapide. Mûrissez les décisions que vous voulez faire. Attention aux engagements aussi. Laissez peut-être du temps. Restez sur vos positions. Ça va se restabiliser, la justice. Mais on cherche quand même à stabiliser quelque chose. Mais ça passe par l'apprentissage de vous ou des solutions pour arriver à sortir de quelque chose, à équilibrer quelque chose. Ne prenez pas de décision rapidement, surtout. Mûrissez bien de votre côté. Pour l'oracle G, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant et lunaire au taureau. Maximum d'informations avec cette énergie-là. Énergie d'apprentissage, d'apprendre, de mettre en place des choses. De revoir des bases. Taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, s'il vous plaît, pour ce mois d'août. Taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, pour ce mois d'août. Alors, pour les difficultés que vous pourriez rencontrer, il est quand même question de faire quand même attention, de bien regarder les choses, de bien observer les choses. Comment on va sortir de difficultés qui peuvent se présenter à vous ou que vous avez déjà, hein, vous êtes soumis à des difficultés. Comment arriver à sortir de cela? Ça peut être des grandes difficultés. Je mets un bémol, attention quand même à ceux qui sont sur la route. Faites quand même attention sur la route pour ceux qui bougent beaucoup, hein. Taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau pour ce mois d'août. Alors, vous êtes prêt à la fête quand même, hein? Vous êtes prêt à la fête, vous êtes prêt à recevoir les bonnes choses, vous êtes prêt, quand je vous dis à recevoir les bonnes choses, c'est effectivement ça. Alors, sur ce mois d'août, il va être quand même question de choses qui peuvent aller dans votre sens, quelque chose qui vous apporte une certaine clarté. Vous aurez vraiment cet esprit à la fête, ça me vient, vous êtes en vacances, je répète, bonnes vacances. Mais il est question de profiter de certaines choses, hein, de bons moments de la vie. C'est pas tout noir, hein, bien sûr. C'est parce qu'on recherche des solutions que tout est noir. Cet été va être quand même sympa, hein. Peut-être des sorties à prévoir, des bonnes bouffes. On sait que le taureau est un épicurien, on sait qu'il aime les bonnes choses. Alors attention, attention à l'abus quand même. Mais pour moi, il est vraiment question de profiter d'un bel été, d'être dans quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. On va voir si j'ai qu'une carte de saison, elle va indiquer 3 mois celle-là. Peut-être quelque chose qui va vous arriver, vous serez à la fête dans 3 mois, une bonne nouvelle, un éclaircissement de quelque chose, une situation. Peut-être un apport financier aussi, ça peut toucher aussi les finances. On va regarder ce qui va tomber. Il y a un équilibre qui va revenir pour vous. Voilà. Donc si vous recherchez donc à sortir de certaines difficultés,
Il est quand même question de retrouver un certain équilibre au mois d'août. Au mois d'août, il est peut-être certain de retrouver une solution, une situation compliquée pour redresser la barre à un moment donné. Et il y a le doute qui est ici. Alors, comme je vous ai dit, pour le tarot de Marseille, ça, de toute façon, elle vous touche complètement. Cette énergie va vous pousser à faire des choix, mais un choix qui va vous porter dans une bonne direction. Vous serez au moment où vous serez à la fête, dans ce choix que vous allez faire. Ce sera un choix fixe. Vous allez peut-être pouvoir le poser sur ce mois d'août, mais aussi, vous pouvez avoir le gain qui peut vous arriver dans 3 mois. Je ne dis pas que quelque chose de négatif vous arrive sur le mois d'août. Non, il peut y avoir de belles choses, il peut y avoir une belle surprise. Mais il est question de profiter, de ne pas vous prendre trop la tête. Mais il y a une situation qui demande à s'ancrer. On sait que le taureau aime bien les choses qui sont ancrées, il n'est pas un signe du tout aérien, il aime bien avoir ses appuis. Il est quand même question de sortir de quelque chose, de trouver les bons choix pour se restabiliser. Je ne parle pas forcément sentimental, hein. Vous retrouverez lui sur une autre vidéo juste derrière. Chose fixe et le soleil, nous avons l'écureuil. Alors vous allez pouvoir vraiment garder de votre côté les bonnes choses, vraiment avoir les choses et les éclaircissements de votre situation par une stabilisation d'une situation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit financière, là j'ai pas trop le relationnel, on va regarder un petit peu avec la même période et le stéthoscope. Pour certaines personnes qui travaillent, qui sont au niveau hospitalier, qui travaillent, l'hospitalier, c'est grand, hein, ça peut être vétérinaire, c'est tout ce qui est soin, voilà, tout ce qui est soin. Il est question d'un choix qui peut vous apporter une très très bonne, de très bonnes choses. Hein. Autrement, c'est pour d'autres de vous écouter une bonne fois pour toutes, d'écouter votre cœur, de faire avec votre cœur à un moment donné pour poser vos choix, pour arriver à une finalité plutôt bien sympathique. Entre stabilisation, s'il vous plaît, et cette belle période-là, pour dire l'été, hein, ce choix peut arriver pendant cet été aussi. Hein. Nous avons l'homme, alors que vous soyez un homme taureau, il est quand même question de restabler, d'être fixe dans ce que vous voulez. Ça peut être au niveau aussi, excusez-moi, sentimental, on peut le retrouver ici, qui est des belles périodes, bien accordées pour ce mois d'août, de vivre en sérénité au niveau de cela. Mais pour vous, homme taureau, il est question de retrouver une stabilité qui va vraiment vous faire plaisir. Donc, ouais, on a vu tout à l'heure sur le tarot de Marseille, des choses à ne pas prendre en précipitation. Donc, il est vraiment question de faire le bon choix et de récolter les choses, hein, que vous mettrez en place. Entre le soleil et la corne de l'abondance et le cœur. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour les taureaux. Alors, on a quand même la bougie. Alors, il y a peut-être quelque chose qui va se terminer. Je vais passer la photo. Voilà. Il y a quand même quelque chose qui va se mettre en place. La fin de quelque chose aussi, hein, pour vous les taureaux, qui vont vous apporter cet esprit d'y fêter à un moment donné. Ça peut être des galères au niveau professionnel, ça peut être beaucoup de choses, hein, c'est général, hein. Si vous avez eu le sentiment de ne pas pouvoir avancer, mais d'espérer aussi quelque chose, absolument au plus profond de vous, d'avancer sur un terrain où vous n'y voyez pas clair énormément, il est question quand même de pouvoir d'être à la fête à un moment donné pour cela. Nous avons quelque chose de stabilité pour vous, homme taureau, et vous allez pouvoir rester sur vos acquis. Tout ce qui est à prendre sont les acquis pour vous, ce que vous allez prendre. Peut-être que vous avez déjà, sur ce mois de juillet, et d'y garder en acquis. Garder en acquis, pourquoi? Pour quelque chose qui est bien fixe. Ça ne peut pas être sentimental, pour d'autres c'est du professionnel, du relationnel. Il est quand même question d'avoir quelque chose d'acquis pour vous, signe du taureau, homme taureau, si c'est le cas. Si vous êtes un homme, vous regardez pour un autre homme, si vous êtes une femme, vous regardez pour un homme. Nous avons donc cette période d'ensoleillement, voilà, avec la corne d'abondance, on a la carte de l'été, quelque chose à fêter cet été, profiter du soleil, profiter des vacances. De toute façon, vous allez avoir vous êtes dans cette chose-là, de profiter des bonnes choses. Nous avons la lumière de la bougie ici, on a le choix du cœur et nous avons le stéthoscope. Pour certaines personnes,
passe. Pour certaines personnes, il va falloir faire un choix. Laisser tomber certaines choses, s'écouter, écouter son cœur, laisser tomber certaines choses. Ou ça ne va pas, ou il y a des situations où ça avance lentement, où vous êtes à la lumière de cette bougie, vous ne voyez pas autour de vous quelle direction vous pouvez prendre, d'avoir un choix, de poser vos choix et d'écouter votre cœur. Pour d'autres, s'il s'agit du médical, alors il va être question quand même de quelque chose qui peut s'arrêter par rapport à une décision que vous pouvez prendre. Alors, ça peut être un choix au niveau médical pour certaines personnes. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, si vous avez besoin au niveau de ça, il faudra me contacter. Mais il y a un choix au niveau de quelque chose, voilà, qui avance peut-être aussi doucement au niveau médical. Je ne réagirai pas plus loin. Donc, nous avons cet écureuil, nous avons ces deux coupes et donc ce stéthoscope. Effectivement, déjà écoutez-vous, écoutez déjà pour voir ce que vous avez. Être à la fête par rapport à déjà ce que vous avez acquis, ce que vous avez de votre côté. N'est-ce pas? Puisqu'on est encore là. Mais de vous écouter à ce moment-là sur des choses qui n'avancent peut-être pas comme vous le souhaitez. Gardez vos acquis, servez-vous de vos acquis pour y voir plus clair, pour que vous arriviez à y voir plus clair et que ce ne soit pas cette lumière de bougie qui prédomine. Pour d'autres, il va falloir vous écouter pour garder absolument vos acquis, mettre un terme à quelque chose. Et pour certains ou certaines d'entre vous, il est quand même question de faire aussi appel à tout ce qui est médium, tout ce qui est voyant, comme moi, ou des personnes qui pourrait vous aider au niveau médical pour un homme taureau, hein, si vous êtes une femme, regardez pour un homme, mais si vous êtes homme taureau, de faire appel aussi à des magnétiseurs, à des médiums peut-être pour, voilà, pour pouvoir être bien au niveau de vous-même, au niveau de vos ressentis. On a plusieurs significations. On va y aller un petit peu maintenant avec la pyramide. Mais vous allez être à la fête quand même, hein, cet été, vous prenez les choses comme ça. Ah, voilà pourquoi je vous dis quelque chose qui redémarre. Vous allez prendre des décisions qui vont être très importantes, qui vont être très stables. Nous avons bien des accords écrits, contrats, tout ce qui est signature. On retrouve un équilibre par rapport à un renouveau. Alors la signature, elle peut être d'énormément de possibilités. Hein. Ça peut être la vente d'une maison. Je n'ai pas la maison, mais par contre, on peut parler d'actes notariales, de quelque chose qui va vous retrouver, qui va vous rendre un équilibre. Un nouveau départ, il est question de signature au niveau professionnel. Vous retrouvez un nouveau départ, ça vous offrira un nouvel équilibre, vous allez rééquilibrer les choses. Des situations qui vont peut-être, vous allez peut-être y voir plus clair au niveau professionnel aussi, par rapport à une avancée, qu'est-ce qui va pouvoir m'aider. Alors par rapport au contrat et par rapport donc à ce papillon, à la renaissance, à cette naissance, nous avons le démarrage de quelque chose encore une fois là. Alors il peut être lent ou il peut être rapide, hein, ça peut être une décision. Vu que vous allez être à la fête, pour certains des taureaux, c'est une décision qui peut être rapide. Ça peut être une décision que vous allez recevoir par courrier administratif. Quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, ça arrive rapidement. Mais en tout cas, ça va être la cause d'un nouveau départ, ça va pouvoir vous soulager. Parce que sur l'équilibre, nous avons la petite fille. La petite fille, c'est la protection aussi. C'est aussi l'innocence. C'est rester vraiment dans une innocence assez sympathique. Au niveau du papillon et au niveau de la balance, il est quand même question de prendre les choses voilà, avec innocence. Moi, je suis trop. On ne se prend pas la tête. La décision vient de tomber. On a quand même cette innocence qui est là. Alors, elle va être couplée à quelque chose qui peut. Décidément, mais j'ai une moto. Et quelque chose qui peut être couplé donc à ce nouveau démarrage, à cette rapidité d'action, à cette rapidité de décision qui peut vous arriver. Il est question aussi d'échange. Si vous voulez échanger au niveau de l'administration, faire des courriers, ces courriers seront acceptés, alors j'espère pour le maximum d'entre vous, seront acceptés. C'est quelque chose qui va vous faire avancer. Ça peut être dans toutes les démarches, au niveau que vous voulez faire par courrier. Et il est question de retrouver une stabilisation. Alors ça peut être pour vous, madame, aussi taureau, hein, de retrouver une certaine stabilisation, mais aussi pour un homme taureau, son côté féminin. Les acquis côté féminin, côté masculin, nous avons tous un côté féminin, tous un côté masculin. Il est quand même question de voir les choses là du côté féminin, des acquis, des choses qui peuvent vraiment vous alléger les choses.
vous allez alléger par rapport à ce que vous vivez. Tout ce qui est voyage à l'étranger, pareil, si vous avez un déplacement à faire, des vacances à faire, il est quand même question d'avoir posé son équilibre, peut-être d'avoir des demandes de réservation, réservation accordée, de partir en vacances, voilà, c'est à pleine période. Pour ce qui est contrat à l'étranger, pour ce qui est des contrats à faire avec d'autres pays hors Union européenne, quoi qu'il en soit, ça arrivera. Il y a des choses qui vont être mûries, il y a des choses qui vont vraiment aller en votre faveur pour les taureaux qui bougeaient beaucoup. Donc il y a vraiment de très très belles énergies là, pour vous aussi, pour ce mois d'août. Je suis bien content. Bien content pour vous les taureaux. Mais il y a des décisions, vous avez des décisions à prendre. Vous avez quelque chose, mais il va falloir rester droit dans vos bottes. Hein. Pas prendre des choses comme ça, la va-vite. Hein. C'est surtout ça le message que j'ai à vous dire. Alors si vous avez un problème, les taureaux, quoi qu'il en soit, on va regarder un petit peu l'évolution de celui-ci. Pour les taureaux, ascendant taureau, signez-les en taureau, s'il vous plaît, s'ils ont un problème, comment celui-ci va pouvoir avancer. Donnez-moi les indications pour un problème que les taureaux pourraient avoir et comment celui-ci pourrait avancer. Taureau, ascendant taureau, signé en taureau. Ça passera par la discussion, hein, le problème, ça passera par aussi mettre son point de vue en place. Si c'est niveau professionnel, on parle de réunion, c'est de se faire entendre par rapport à des réunions. Mais il y a la beauté qui est là, hein, donc c'est d'y mettre vraiment sa fougue dans la discussion. C'est vraiment y mettre son point de vue, c'est vraiment à vraiment mettre les choses carte sur table, c'est le cas de le dire. Mais c'est quelque chose qui vous apportera beaucoup de choses, beaucoup de beauté. Donc si c'est pour un rendez-vous professionnel, vous vous intéressez par ça, il est quand même question de vous mettre en avant et vous serez entendu. Pour tout ce qui est familial, il est question aussi de profiter des bons moments en famille. On va regarder si c'est un problème, la résolution peut passer par là d'ailleurs, hein, par rapport à la famille. Allez, par rapport au taureau, trois cartes du passé. Trois cartes du passé pour le taureau, ascendant, lunaire taureau. S'il y a un problème, comment celui-ci va évoluer? Deux cartes, carte présente, carte conseil par rapport au problème que vous pourriez rencontrer, taureau. Taureau, ascendant taureau, lunaire taureau. Et les trois pour l'évolution au niveau des problèmes. Les trois pour l'évolution au niveau des problèmes. Au niveau du passé, pour un problème que vous auriez pu avoir, bah là on parle pas trop de problème. On parle quand même sur votre passé, de bonne entente, de trouver une bonne entente au niveau du relationnel et d'avoir une certaine élévation. C'était une fatalité d'avoir ça. Alors pour certains, du signe du taureau, il est quand même question que ça ne pose pas un problème dans votre passé, c'est plutôt une situation. La situation où il y avait du bon relationnel, il y avait quand même cette pyramide, une élévation. Pour certains ou certaines du signe, il est quand même question d'avoir été en progression sur votre passé par rapport à ce que vous pouvez vivre et par rapport aux problèmes qui peuvent... Enfin, un problème. Ouais, quelque chose que vous vivez, où vous voulez voir comment ça va pouvoir perdurer, ça va pouvoir avancer. Donc on est sur une bonne base hein, quand même sur votre passé. On va voir les cartes présentes et les cartes qui puissent vous aider. Alors on parle bien au niveau professionnel. Alors vous avez besoin d'être épaulé, vous avez besoin d'être aidé, pas tant psychologiquement, mais trouver des solutions au niveau professionnel. Vous avez peut-être tourné une situation à votre faveur dans le passé, quelque chose où vous êtes sorti grandi, ou par rapport à du relationnel, vous avez pu avoir au niveau professionnel une très très bonne période. Là, par contre, vous êtes dans une situation où vous ne savez pas trop où ça va aller au niveau professionnel. Bon, c'est vrai qu'il y a le Covid, il y a des choses comme ça qui peuvent porter préjudice à certains d'entre nous, hein, d'entre vous, d'entre nous. Mais quoi qu'il en soit, il est question d'essayer de trouver une solution au niveau du boulot. Alors, soit vous ne savez pas si un contrat va perdurer, vous ne savez pas si on va renouveler des contrats, si on va vous garder au niveau professionnel.
S'il va pas falloir à un moment donné, et ben, malgré ce que vous avez eu dans le passé, et ben, voilà, hein, retrouver des appuis au niveau professionnel. Vous êtes dans une situation là où il faut vraiment, vraiment retrouver une stabilité, hein. Vous cherchez une stabilité, vraiment quelque chose de fixe là. Et ça passe par des appuis. C'est comme si vous avez besoin de cette canne pour vous appuyer, pour avancer. Et ça peut paraître un peu bloqué actuellement. Vous n'avez peut-être pas les outils pour sortir d'une certaine situation. Et pour l'évolution, bon, vous allez trouver les solutions, hein. C'est au niveau professionnel, il y a peut-être quelque chose qui va mettre un terme. Il y a peut-être quelque chose qui va s'arrêter au niveau professionnel. Et repartir sur de bonnes bases. Vous êtes peut-être dans cette indécision, c'est de savoir ce que vous devez faire au niveau professionnel. Rester ou partir. Si la situation se bloque complètement, il va peut-être être question de tout mettre à plat et repartir sur d'autres contrées. Pour ceux qui sont peu heureux dans leur travail, d'aller regarder ailleurs, de trouver autre chose. Mais quoi qu'il en soit, cette situation, si vous devez quitter l'emploi, si vous devez arrêter quelque chose, il est question de retrouver cette grâce et cette santé, de retrouver voilà, cette puissance en vous et d'avoir, c'est la carte de la maison, c'est la carte de l'arbre aussi qui puisse ses sève. On a la fleur qui est ici, c'est question d'ensoleillement, c'est une carte d'ensoleillement, elle va atténuer un petit peu celle-ci. Donc s'il y a quelque chose qui doit s'arrêter, vous retrouverez quelque chose, il n'y a pas de souci, il y a peut-être quelque chose à mettre un terme. Pour d'autres qui sont employés mais qui ne veulent pas quitter leur emploi, il va être surtout question de quelque chose. Vous avez peur que ça s'arrête. Pour d'autres, vous avez peur que ça s'arrête, mais pour moi, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Peut-être que vous subissez une difficulté passagère au niveau professionnel. Vous ne voyez pas les aboutissants par rapport à votre travail. Et pour moi, vous vous inquiétez peut-être que ce soit, vous n'ayez plus les mêmes appuis que vous ayez dans le passé. Et là, il va être quand même question de s'inquiéter, mais bon, pour certains, il n'y aura pas l'arrêt. Ce sera plus une inquiétude que vous avez. Mais on a quand même la santé ici et la grâce qui vous portera vers l'avant. En ce qui est relationnel, peut-être un mauvais relationnel actuellement, peut-être que vous subissez certaines choses, des aléas, hein, au niveau de votre vie privée ou par rapport à des amis, il y a des choses qui ne vont pas. Là, il va être quand même question de mettre les choses carte sur table une bonne fois pour toutes pour retrouver votre stabilité. Voilà ce que je peux vous dire. Les taureaux, on va regarder maintenant avec le Osho. Pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, s'il vous plaît, pour ce mois d'août. Pour les taureaux, avec un conseil. À prendre ou à laisser, bien sûr, le conseil. Faites comme vous voulez. Vous êtes propre décisionnaire. Ce que vous voulez faire, moi, je vous donne des pistes. Après, à vous de les prendre ou pas. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois d'août. Alors, on a la morale. La morale et l'attachement au passé. On doit retenir des choses. Vous devez retenir des choses de votre passé. Comment vous avez agi? Par quelle situation vous êtes passé? Il y a une certaine morale à retenir de tout ça. Alors la morale peut être bonne, à condition de bien faire le tri par rapport à votre passé. Il y a une certaine morale à retenir de votre vécu. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, signe numéro taureau. On a le silence. En ce moment, vous préférez vous taire. En ce moment, si vous avez des objectifs, vous préférez ne pas les communiquer. Peut-être aussi de ne pas répondre sur des situations qui sont difficiles. Vous restez dans votre silence. Alors, le passé pour les taureaux. Une situation où vous avez été épanoui quand même, hein, où il y a eu un redressement de quelque chose, où vous avez recherché aussi votre épanouissement par rapport à des difficultés, par rapport à des choses qui vous ont un peu miné au niveau du passé. Il est quand même question maintenant d'être un peu dans le calme, un peu dans le silence, de laisser les choses, on a vu tout à l'heure, les deux de coupe, hein, d'être à la fête, de laisser les bonnes choses venir vers vous. Mais vous êtes bien dans ce cadre-là, un peu plus apaisé. Même si je ne dis pas que vous n'avez pas de difficultés pour certains taureaux. Hein. Mais d'essayer de prendre les choses et de garder le silence par rapport à vos projets, hein, par rapport à vos difficultés, de ne pas trop en parler. Hein, bah, j'en ai deux qui sortent, on va les prendre. Voilà.
Alors, il y a quand même un cycle de lune, hein. Il va falloir voir ce qui va se passer dans le mois à venir. Donc, je le fais pour le mois de juillet, nous sommes le 20, on va arriver vers 21 août après, 20-21 août. Bon, ça tomberait bien sur ce mois d'août. On vous demande d'avoir de la patience. Alors, comme je vous ai dit, la patience pour pouvoir réexister, pour ce nouveau démarrage, l'existence. On est en chiffre 1, on a quand même deux arcanes qui sont majeures par rapport au chaud. Et ce silence fait que vous avez peut-être des projets en place. Vous voulez mettre quelque chose en place, une nouvelle direction, mais on va vous demander beaucoup de patience. C'est beaucoup de patience, c'est un cycle lunaire. Donc, soyez patient sur ce que vous voulez mettre en place. Soyez patient sur la direction que vous voulez prendre, sur une résolution d'un problème. Quoi qu'il en soit, vous allez trouver la solution. Vous allez la trouver, cette solution. C'est comme ça que vous trouvez donc la porte de sortie pour vous stabiliser vraiment, pour avoir les deux pieds ancrés au sol. Voilà les taureaux, ce que j'avais à vous dire. Donc on est sur une énergie, hein, vous voyez, hein, il y a des choix à faire. C'est surtout une énergie de choix pour mettre en place, pour remettre en place la première et repartir donc, sur plusieurs domaines de votre vie. Mais sentimental, on va le voir tout de suite après sur l'autre vidéo. En attendant, si cette vidéo vous a plu, c'est la première fois que vous venez me voir. Puis même, hein, si ce n'est pas la première fois, ça fait un moment que vous me suivez, vous pouvez mettre un petit j'aime. Vous pouvez partager aussi ma vidéo. Vous abonner, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'abonnés qui. Voilà, j'ai plus de non-abonnés qui regardent la chaîne que de mes abonnés. Donc, bah, vous pouvez vous abonner hein, si ça vous plaît. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage personnel, un peu d'éclaircissement dans votre chemin de vie, vous pouvez toujours me joindre. Vous avez tous les liens sur la vidéo et en bas de la vidéo. Voilà les taureaux. Quoi qu'il en soit, bonnes vacances. Si vous arrêtez de regarder la vidéo ici, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt, les taureaux. Ça tombe.